Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente le succès secret qui est vite fait, bien fait, je crois, un truc dans le genre, qui est d'améliorer le. Enfin, d'activer le rituel du pack-a-punch à la manche une. Alors pour ça, il faut être 4 déjà. Hein, ça, c'est sûr, il faut être 4 minimum. Vu qu'on veut pas être plus, pas maximum aussi. Et manche. Enfin. À 1 ou à 2 ou à 3, en fait, on n'a pas assez de pouvoir pour activer les choses. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour avoir pour chaque zone, en fait, pour pouvoir activer les rituels, récupérer les objets, enfin, en temps imparti, quoi, avec juste un seul trépas ou trépoulpe, comme dit. Comment il s'appelle? Taskiller. Donc là, on monte là-haut. Donc on active bien, on n'est pas obligé d'activer courir vite, mais on active bien la grue. Là on vient activer ici, on n'est pas obligé de casser la porte, mais c'est toujours mieux si y a munition max. Là on active, enfin on n'est pas obligé d'activer réanimation rapide. On casse la boîte et on. Après on va chercher le stylo. On prend aussi la clé d'invocation, donc avec la boîte qu'on a cassée. Puis après on active le premier rituel. Alors après on va à Canal District. Enfin un canal, ouais je crois que c'est ça. Hein. On va à canal et une fois arrivé à canal, voilà, vous allez faire ce rituel. Donc vous ouvrez la première porte et la deuxième aussi. Et donc là je vais vous montrer. Faut patienter juste un petit peu, mais je vais vous montrer comment on fait. Parce que moi je sais pas moi qui l'ai fait, donc je vous montre en solo pour vous montrer comment ça fait. Donc là vous prenez le trépoulpe. Vous descendez le plus vite possible en bas, vous cassez la caisse, vous cassez la porte impérativement, vous activez le courant pour pouvoir prendre l'objet. Vous allez vite là-haut et vous activez la porte, enfin l'escalier, pour pouvoir monter au rituel. Et il faut activer la porte parce qu'après on va s'en servir pour aller. Voilà, il faut activer la faille aussi. Pour après qu'on s'en serve et qu'on aille. À la faille. Voilà. Donc là après vous allez à Footlight District. Donc vous ouvrez que la première porte. Là vous montez là-haut. Vous prenez. Enfin vous cassez la caisse, enfin, vous faites tomber la caisse. Vous allez vite là ici là et vous activez la porte. Puis si vous voulez vous pouvez faire là tout, même si vous avez le temps l'escalier, mais bon c'est pas obligatoire. Et donc du coup après bah. Vous prendrez l'objet, hein, celui qui veut. Donc obligatoire de prendre l'objet. Et en fait, on y retournera plus tard, mais avec le train. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'activer la toux. Moi, j'ai fait le con. Hein. J'avais complètement oublié qu'il n'y avait pas besoin. Et donc du coup, enfin, je me suis emmêlé les pinceaux, voilà. Donc du coup, vous activez, enfin, vous faites tomber la caisse, vous ouvrez la porte. Et là, vous ouvrez pas la porte ici, parce que on va y aussi y aller en train ici. Donc vous prenez l'objet, après vous partez, à chaque fois il faut prendre les verres là, à chaque fois il faut les prendre. Donc après vous partez à l'endroit que vous voulez, donc soit, enfin là en gros vous allez à canal, s'il n'y a pas le train vous l'appelez, s'il y est, bon bah vous partez avec le train. Et après vous allez soit à Waterfront ou à Footlight, c'est comme vous voulez. Donc nous on est à la Waterfront, on a fait le rituel, donc avec l'objet qu'on avait pris... précédemment. Après une fois qu'on a fini le rituel, bah on a pris le verre, parce qu'en fait si on prend pas le verre, et bah après on peut pas retourner dans la zone à moins que on repaye, mais bon du coup voilà ça peut faire capoter le truc. Mais bon c'est pas grave, si vous oubliez, généralement vu qu'il y a pas besoin d'améliorer vous avez beaucoup de points. Donc après vous allez à Footlight, encore avec le train. Là vous allez faire le rituel avec l'objet que vous avez pris précédemment. Donc en fait on n'a pas ouvert les portes, nous on est passé par le train, ça coûte moins cher. Comme ça on est sûr de réussir. Et donc du coup bah, là, après une fois qu'on a fini le rituel, bah on a fait les 4. On a pris les 4 verres, on a fait les 4 rituels, après les 4 verres. Et du coup on va bah là du coup on a tué le margois pour essayer d'avoir les 5000 points. Mais bon au final ça nous a servi à rien, mais bon c'est pas grave. Donc du coup après on va à la faille qu'on a ouverte tout à l'heure à Canal District. Et une fois qu'on est à cette faille, et ben on va poser les 4 verres.
Donc comme là on fait, là on va à la faille. Après on va poser les 4 verres. Et une fois qu'on a posé les 4 verres, ah je vais y crever. Et ben on pose la clé d'invocation sur la table de rituel. Et comme ça après ça commence le rituel tout simplement. Et du coup là je vous laisse avec le rituel et puis on se retrouve juste après. Et voilà, le rituel est terminé. Et là, qu'est-ce qu'on voit pas? Le succès, on se dit, ah bah finalement, il n'y a pas besoin d'améliorer d'armes. Voilà, donc vite fait, bien fait, je m'en suis bien souvenu. Heureux à moi. Donc voilà, vous pouvez lire si vous voulez, vous mettez pause si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas eu le temps de lire. Et donc voilà comment on fait le succès secret. Donc d'activer le rituel du pack à punch à la manche 1. Donc du coup, bah, j'ai fini cette vidéo. Moi, je vous dis... à une prochaine vidéo qui sera sur les rituels, enfin en gros sur comment bien commencer. Donc soit façon pack-a-punch, donc du coup on active que ce qu'il faut pour le pack-a-punch le plus vite possible. Donc moi j'ai réussi manche 4, on peut manche 3 aussi je crois. Enfin en gros je suis en solo, hein, je suis pas à plusieurs, donc moi c'est la technique en solo. Et ou sinon il y a aussi de tout activer, donc je sais plus quel manche j'étais, je crois que j'étais 7 ou 8, un truc en genre. Mais de tout activer le plus vite possible, voilà. Du coup, sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Ciao. C'est qu'on peut mettre amis ou tout le monde, enfin, tout le monde, presque tout le monde. Donc là, bon, bah, je suis le premier sur les éliminations, hein. Il y a intérêt. Là, pareil, ça va être effectué. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Je suis à 0, tout le monde est 0, sauf moi.